zu Teil, als ein Dorf. Yeah, you're ready, I'm ready. She wanna chop my pee, do I look like square? I mean, do you really care? Cause what's yours, she keep, you don't really share. I see how you're moving there. You better just stay in line. All I wanna do is just make you mine. You make my heart beat like playing rhyme. Now you wanna leave and say goodbye. African lady, you know say you drive me crazy. I can't let you do this. Que nous suivez de partout dans le monde. Bonsoir, là c'est Notorious Version, votre émission que vous faites donc découvrir en profondeur, en détail, la version de notoriété de vos idoles, de personnes que vous aimez beaucoup, de personnes que vous prenez comme modèle ou comme exemple, pourquoi pas de personnes que vous nous suggérez ici dans votre chaîne préférée, la télé du millénaire. Alors, notre notoriété de ce soir, il s'agit donc du pasteur Philippe Mukenge, qui vient avec sa parole ici sur ces plateaux pour donner sa version de notoriété, à qui je dis déjà bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien sinon? Bien, par la grâce de Dieu, merci. En forme, je trouve. Hein? Oui, Dieu nous soutient. Voilà pourquoi nous sommes toujours en forme et nous remercions le Seigneur et nous saluons tous les spectateurs. Nous croyons que le Seigneur leur sera favorable. Alors, pasteur Mukenge, Philippe, vous allez quand même nous dire en résumé votre parcours jusqu'à arriver ici. Ok, donc... Si je me pointe comme pasteur, donc c'est par rapport à la foi. Donc il s'est fait que quand je suis né dans une famille catholique. J'étais catholique pratiquant. Donc à un certain moment, j'ai eu le souci de pouvoir connaître mieux la parole de Dieu et répondre à certaines questions qui me paraissaient difficiles par rapport aux réponses qu'on me donnait, mais qui faisaient que je puisse avoir un peu de doute. Et c'est comme ça que nous avons commencé à pouvoir aussi partager avec d'autres confessions. Et c'est là où je me suis certifié que quelques points n'étaient pas conformes à la parole. Et d'autres points, je n'avais pas de réponse. Et j'ai rencontré des bien-aimés qui disaient que voilà, nous sommes là en train de prier Dieu. Mais nous croyons que si quelqu'un nous amène la lumière sur deux points sur lesquels nous ne sommes pas éclairés, nous allons pouvoir réellement suivre cela. Ou sur le point où nous sommes en erreur, nous allons abandonner nos erreurs et suivre la vérité. C'est là où je m'étais dit que voilà, c'est une église dynamique, c'est une église qui n'est pas statique, qui n'est pas bloquée sur ses propres convictions qui pourront devenir comme des traditions. Mais là, on va progresser avec la vérité. Et c'est ainsi que j'ai rejoint ces bien-aimés. Et c'est à Kisangani, pendant que je faisais mes études universitaires. Donc, et après mes études universitaires, je suis venu à Kinshasa parce qu'on avait encore une autre assemblée ici. Et ce qui a fait que, avant que je ne quitte ici, donc on m'avait donné la responsabilité des bien-aimés qui étaient à Kitambo, ceux qui étaient à Dinza et ceux qui étaient aussi au campus parce que j'avais une fonction au niveau du campus. Okay. Donc après, je me suis déplacé pour aller en Israël. Mm-hmm. Et de là, je fais 3 ans. Et après 3 ans, j'ai rejoint ma famille en Hollande où on a commencé une œuvre. Et nous nous sommes installés maintenant en Belgique. Mais l'œuvre continue aux Pays-Bas. Et voilà, donc... Voilà un peu mon parcours par rapport à... Alors, en cela, moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces parcours, le côté fort que vous reconnaissez? Je crois que le côté fort, c'est d'abord comprendre que l'amour de Dieu, c'est vraiment plus important que toute autre chose. Donc, et cet amour, Dieu le fait bénéficier vraiment à une minorité de privilégiés. Donc c'est vraiment ça, et j'ai compris que Dieu m'a aimé, et voilà pourquoi il m'a donné sa lumière, et aujourd'hui je ne vis que pour lui. Voilà, tout ce que je fais, c'est pour le Seigneur. Alors vous êtes quand même aujourd'hui, on doit dire, mieux placé après ce long parcours, on doit le dire, pour nous dire quels sont les avantages et inconvénients de ce que vous faites, en fait, c'est-à-dire servir Dieu. Bon, en tout cas pour ma part, il serait difficile de trouver les inconvénients parce que
ces inconvénients sont perçus de manière rationnelle, charnelle. Parce que vous allez comprendre que nous, aujourd'hui, nous bénéficions quand même d'une certaine grâce. Parce que les disciples du Seigneur, les apôtres, ont été frappés, ont été emprisonnés, ils ont été maltraités. Vous voyez, trouver leur réaction. Pendant qu'on le frappait, pendant qu'on le fouettait, au lieu de se lamenter, au lieu de pleurer, ces gens glorifiaient le Seigneur. Okay. Donc, vous voyez, quelque chose qui peut paraître inconvénient, cette souffrance-là, mais parce que le Seigneur avait dit que moi qui suis le bois vert, on m'a traité ainsi, vous qui êtes le bois sec, on vous traitera de la sorte. Et lorsque la parole s'accomplit, ça ne peut qu'être un sujet de joie. Donc vous voyez que ces inconvénients-là deviennent un sujet de joie pour nous. Donc on ne les aperçoit pas comme des inconvénients. Donc je veux dire, dans l'œuvre de Dieu, tout est avantage. Alors vous allez me dire, ça fait déjà combien de temps que vous êtes dans l'œuvre de Dieu, et puis vous prêchez l'évangile ou vous êtes plutôt du côté prospérité, du côté prophétie, parce qu'aujourd'hui on en voit ici, en plus ici en République démocratique du Congo, c'est quand vous parlez de prospérité et prophétie que vous avez un succès. Voilà, donc ça fait en tout cas plus de 25 ans, je crois, que j'ai rencontré cet évangile du Seigneur, l'évangile de Christ. Nous appelons ça aussi évangile éternel parce que c'est ce qui a été et qui sera. Donc voilà, comme les Écritures le disent aussi, la parole ne passera point. Et vous allez comprendre que la parole doit être universelle. Okay. Comprenez, lorsque les gens aujourd'hui s'intéressent plus au matériel, c'est parce que ils sont devant un peuple qui est dans la difficulté. Et je crois que lorsqu'ils présentent le matériel, lorsqu'ils présentent, n'est-ce pas, les avantages de ce siècle, ils sont en train de pouvoir voiler le peuple. Ainsi, l'Écriture dit que si nous croyons au Seigneur pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux. Et ce n'est pas pour rien que l'homme rationnel, l'homme blanc, que mes frères noirs m'excusent, ce n'est pas un complexe, mais ces gens-là, ils ont fini par comprendre que la religion qu'on leur présentait, c'était l'opium. C'était pour endormir le peuple. Et nous croyons que c'est aussi de cette manière qu'on est en train de présenter l'évangile, pour pouvoir endormir le peuple. Vous verrez que les gens prient pour avoir de la prospérité. Mais la parole de Dieu a montré le chemin de la prospérité. C'est dans le travail. Donc, on n'encourage pas les gens à travailler, mais on leur promet de l'abondance, de la prospérité. Et d'avoir la foi, ça, bien évidemment aussi. Hein. Mais la parce foi, que cela aussi a écrit, oui, a été écrit dans la Bible, on doit le dire. La foi se traduit dans les œuvres. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Donc vous allez comprendre que le temps où la manne tombait, c'est fini. C'est fini. Donc c'est dans le travail. Dieu avait dit que c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Donc nous comprenons que le sacrifice produit. Le Seigneur s'est sacrifié pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions bénéficier, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu. Okay. Donc, la réussite, la prospérité, l'abondance, c'est dans le sacrifice. C'est ça que les gens ne prêchent pas. Ouais. Donc, ils prêchent la facilité. Et conclusion, le pays dans lequel vous prêchez la prospérité, est-ce que ce pays avance comme les autres pays? Ah oui, on doit le dire, aujourd'hui, il y a Battle Church, comme on dit, il y a des églises face à face, et avec, je ne sais pas, tapage, on doit le dire. Est-ce que cela est dans la logique ou ça va en l'encontre de ce que vous appelez la parole de Dieu? Bon, le problème aujourd'hui, c'est que les gens font de l'œuvre de Dieu une source de gain. Voilà. Okay. Donc, vous allez voir que tout un quartier industriel est remplacé par des églises. Comprenez que vous tuez l'industrie du pays pour pouvoir les remplacer par les églises. Bon, comment le pays va progresser? Donc, vous voyez, donc, vous allez comprendre que c'est un gain d'argent que les gens cherchent. Voilà pourquoi chacun crée
Moi, je dis ceci, je crois, je ne suis pas prophète, mais si jamais réellement l'État qui a, que Dieu a donné l'autorité de pouvoir assurer la prospérité de la nation, si l'État réussit ce défi, il y aura beaucoup d'églises qui vont fermer. Ça ne sert à rien d'aller les fermer avec des arrêtés. Alors, mais si jamais les gens ont de quoi vivre et ils sont dans la prospérité, donc ils comprendront. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est assez difficile. Nous qui avons pu bénéficier d'être en Europe, là-bas, on a un langage assez qui peut être compris, n'est-ce pas? Parce que nous comprenons que quand vous cherchez du travail, il faut aller dans des institutions spécialisées. Donc, les Européens ne vont pas à l'église pour chercher du travail. Mais les Africains vont à l'église pour chercher du travail. Vous voyez la différence? Eux, ils se sont organisés parce qu'ils savent que quelqu'un qui est chômeur, il doit être aidé. Il ne sait pas où se trouvent les offres d'emploi. Donc, ils ont créé des agences qui puissent permettre aux chômeurs d'être en contact de l'information pour le travail. Mais maintenant, à l'église, tu auras l'information qu'il y a du travail où? Alors, si je comprends bien, ici, on parle donc de la manière de voir les choses, parce que vous évoluez du côté Europe, ou bon, vous voyez les choses? Ce n'est pas seulement ça, parce que j'étais ici, j'avais la même perception. Parce que je vous ai dit que j'ai dû... pourquoi nous prions? Pourquoi nous prions? Nous prions pour avoir du mariage, des voitures. Parce que aujourd'hui, c'est comme ça, on doit le dire. Le voyage. Ici, à Kinshasa, en RDC, c'est ça la prière, donc, c'est-à-dire mariage, emploi, devenir riche, la prospérité, comme j'étais en train de dire en gros. Hein, ici, c'est comme ça. Okay. Je ne sais pas. Alors, vous voulez venir, vous prêchez autre que ça. Ici, à Kinshasa, on ne va pas vous croire, c'est ça le problème. Oui, mais on n'a pas besoin que les gens nous croient. On a besoin que ceux qui sont de Dieu puissent croire à la parole de Dieu. Donc, nous vous disons la vérité pour pouvoir vous sortir de cet opium, de ce voile-là. Je dis ceci, vous verrez, l'évangile, la parole ne passera pas. Vous voyez, notre foi, elle est universelle. Maintenant, je prie Dieu pour voyager, pour avoir le visa. Je suis au Congo. J'arrive en Europe, bon, j'ai la nationalité. Maintenant, pour voyager, je ne prie plus. Vous voyez? Donc, où est basée la foi? Vous allez comprendre que quelqu'un qui prie pour le voyage, quand on a la nationalité européenne, pour aller aux États-Unis, tu ne vas pas prier. Personne ne demande au pasteur de prier pour lui, de jeûner pour avoir le visa, parce qu'il sait qu'il doit aller à l'ambassade et remplir les conditions et il va voyager. Donc, vous comprenez qu'on ne prie plus pour voyager. On ne prie plus pour même le pain ici. Les gens ne demandent plus. Et pourtant, au Congo, tu as dit que les oiseaux ne moissonnent ni ne sèment, mais tu leur nourris. Ouais. Donc, ces prières-là vont disparaître comme ça de soi-même parce que tu sais que le matin, tu te réveilles, tu as un peu de nourriture, tu as un peu de pain. Ouais. Si tu avais basé ta foi là-bas, automatiquement, tu ne vas plus prier. Or, quand le Seigneur dit de pouvoir demander le pain, c'est là où nous disons que le Seigneur a prêché le royaume des cieux. Écoutez le langage du Seigneur. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume. Quand le pain avec le royaume des cieux, rien du tout, le pain de Covadis, si Covadis existe encore, ou du Pâques, ou du pain de victoire. Vous voyez, ce pain-là n'a rien à voir avec le royaume des cieux. Donc nous comprenons de quel pain qui a une relation avec le royaume des cieux. Le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Okay. Voilà le pain que nous devons demander chaque jour. Ainsi, si tu es dans la souffrance ici, en demandant ce pain-là, le Seigneur ne manquera pas de te donner le pain de pain de victoire ou pain Covadis, si ça existe encore, ou UPAC. Et mais quand tu seras en Europe où l'État t'assure ce pain-là, ta prière continuera. Ta prière continuera et tu vas prier pour autre chose en ce moment. Non, tu vas continuer à prier pour le pain qui te donne la vie, la parole. Alors, une question me vient. Alors, pourquoi est-ce qu'on prie? On prie pour atteindre ce royaume de cieux ou on prie simplement parce qu'on est dans la misère ici en République démocratique du Congo? Bon, normalement, c'est au prédicateur de pouvoir orienter. Le Seigneur, quand il est venu, la Bible dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour de Dieu consiste à ce qu'on ait la vie éternelle.
Donc ça ne consiste en rien d'avoir les biens matériels. Le Seigneur a donné une parabole. Il y avait un riche et un pauvre, Lazare. Aujourd'hui, on prêche les gens qu'un enfant de Dieu, quand il est pauvre, il est sous la malédiction. Bon, ce sont des encouragements, ça peut paraître bien, correct, mais par rapport à cette parabole, le riche est mort, il est allé où? Il a été enseveli. Et Lazare le pauvre, il a été dans le sein d'Abraham. Donc vous voyez, et autre chose, parce que là ils vont dire que c'est une parabole. Un jeune homme riche, ça ce n'est pas une parabole, vient vers le Seigneur pour pouvoir dire au Seigneur que je suis riche. Mais je sens qu'il me manque quelque chose, la vie éternelle. Il pose la question au Seigneur, comment avoir la vie? Le Seigneur comprend que non, cet homme, parce que le Seigneur connaît tout, il dit, bon, je vais le renvoyer à Moïse, à l'obéissance de la parole. Et lui dit, tu sais ce que Moïse a demandé, obéis à tes parents, ne fais pas de faux témoignages, ne fais pas, ne calomnie pas, ne vole pas, ne tue pas. Il dit que dès ma jeunesse, je le fais. Mais le Seigneur lui dit, il te manque encore quelque chose. Mais maintenant, ce riche-là, il a été riche pourquoi? Parce qu'il a obéi. C'est ce qu'on prêche aujourd'hui aux gens. Deutéronome 28. Et puis moi, en fin de compte, je pose toujours la question, est-ce que tout le monde doit devenir riche? Tout le monde a le droit de, tout le monde a le destin d'être riche. Non, mais tout le monde peut désirer avoir de quoi vivre. Ça, c'est un désir légitime. Voilà pourquoi les autorités, n'est-ce pas, ont cette charge de pouvoir assurer le minimum vital pour tout un chacun. Parce que c'est un droit de tout un chacun de nous. Donc, nous sommes tous d'accord que nous devons aspirer au minimum vital. Donc, avoir de quoi. Est-ce que selon la logique de la parole, vous pensez que tout le monde est appelé à être riche ou ça dépend, que chacun a son destin? Ça dépend de ce que nous appelons riche. Parce que vous allez comprendre que la diaspora congolaise en Europe, vous avez l'impression que nous sommes riches. Mais la plupart d'entre nous là-bas sont considérés comme ceux qui sont dans les classes où on doit être aidé. Parce que quoi qu'on travaille, quoi qu'on ait des revenus, on a quand même des avantages parce qu'ils estiment que nous ne sommes pas riches. Vous voyez? Donc maintenant, ça dépend de ce qu'on appelle riche ici. Parce qu'il y a des riches, vous voyez? Des gens là-bas, ceux qu'on appelle les gens aisés, les revenus, c'est à partir de 6 000 euros au-dessus. Donc, quand vous avez un revenu aux environs de 2 000 euros, vous n'êtes pas considéré comme riche. Okay. Donc, voilà, donc ça dépendrait. Maintenant, ici, vous voyez ce qu'on est en train de pouvoir. En fait, ils font rêver les gens. D'accord. Ouais? Donc, en leur proposant gros, sachant que tout le monde n'y arrivera pas. Mais tout le monde peut arriver à un minimum vital. Ça, alors, c'est une question pertinentement qui m'est toujours arrivée. Est-ce que devons-nous croire à la prophétie? Parce que ici, on doit le dire, c'est devenu comme une chanson. Il y a des églises qui prophétisent sans arrêt. Et puis, il n'y a pas de réalisation. Alors, je ne sais pas, est-ce que devons-nous croire à la prophétie? Oui, la Bible dit qu'il faudrait que la prophétie puisse réellement être exercée selon l'analogie de la foi. Mm-hmm. Vous voyez? D'abord un constat, avant qu'on quitte le pays, parce que ça fait plus de 14 ans que j'ai quitté le pays, mais même 15 ans, 20 ans avant, on avait quand même des gens qui étaient dans la rue qui demandaient à ce que, qu'on puisse donner la main pour vous dire votre avenir. Oui, oui, oui. Où sont partis tous ces gens? Parce que je ne les vois plus. Où sont partis tous ces gens? Voilà, c'est la question qu'on se pose dans les églises. Parce qu'ils ont compris que lorsqu'ils ont cette forme-là, dans les églises, on les avait diabolisés. Voyez? Okay. Maintenant, ils ont pris le costume des prophètes. Voyez? Alors, il faut se demander. Aujourd'hui, il n'existe plus le Mbikoudi et tout consort. Voilà. Parce qu'ils n'existent plus. Alors, on se pose la question. Moi, je peux vous poser la question. Est-ce que, parce que moi, j'ai l'impression de ne plus le voir dans les rues. On dit peut-être qu'il y a changement parce que la parole de Dieu s'est imposée ici en République démocratique du Congo, peut-être. Voilà, comme la Bible dit que rien n'est nouveau sur la terre, ce qui est, a été, ce qui sera a été. On a vu aussi des devins, des bigoudis dans la Bible qui ont porté, n'est-ce pas,
des costumes des prophètes. Balaam en est réellement une bonne illustration et qui prophétisait et les choses arrivaient exactement. Mais la Bible dit que quand un prophète s'élève et prophétise et que la chose n'arrive pas, vous le déclassez. Automatiquement, c'est un faux. Est-ce que ce n'est pas une question de discernement peut-être? Parce qu'il y a, vous pouvez avoir de vision, mais que vous ne savez peut-être pas discerner, comme on le dit. Mais quand vous donnez une prophétie ou une parole de connaissance, vous dites que non, demain il y aura ceci et ça n'arrive pas. Donc vous êtes un faux prophète, on vous déclasse automatiquement. Mais quand ça arrive, la Bible dit dans Deutéronome 13, n'ayez pas peur de ce prophète-là, regardez vers quel Dieu il vous amène, vers quelle adoration, quel autel il vous amène. Donc voilà pourquoi on dit que la prophétie doit être selon l'analogie de la foi. Si ce prophète, la parole qu'il vous prêche n'est pas la parole de Dieu, automatiquement c'est aussi un faux prophète. C'est un devin qui voit aussi les choses parce que les devins voient les choses. Mais qui ne se réalisent pas. Non, ça peut se réaliser. Ça se réalise. Que vous pensez qu'il y a compatibilité quand vous servez Dieu au même moment avec du fétiche, par exemple, parce que en ce moment-là, on dit que ça ne peut jamais se mélanger, ça ne peut jamais se marier. Non, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait ainsi, la Bible dit, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, que beaucoup, à la fin, vont dire au Seigneur, 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 nous avons chassé, n'est-ce pas, les démons en ton nom, nous avons guéri les malades, nous avons fait des miracles. Le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu serviteur de l'iniquité. Donc, vous voyez, quand quelqu'un le fait ainsi, donc c'est clair, c'est son sort qu'il est en train de sceller pour ne pas avoir la vie éternelle. Alors, en plus de cela, le spectacle, aujourd'hui, on doit le dire, il y a des églises qui offrent des spectacles intenses, c'est-à-dire que suffit que le pasteur enlève sa veste, jeter, c'est tout le monde qui tombe. Et puis il y a ces personnes qui se transforment, je ne sais pas, en chien, en chèvre, ou quoi. Il y a, mais ce qui m'étonne aussi, ce qui est spirituel, on commence à les palper. Sortir un lézard, soit un serpent dans le ventre, et qu'on est en train de voir, de vue comme ça, est-ce que ce genre de choses est vraiment logique dans la parole de Dieu, ou c'est carrément de la magie blanche? Bon, vous allez comprendre une chose. Comme j'ai toujours dit que tout doit être comparé par rapport à la parole. Le but, pourquoi on le fait, voir quel est l'objectif dans tout ça. Quand Moïse est allé en Égypte, Moïse a pris son bâton, il l'a jeté par terre. C'est devenu un serpent. Oui. Et les magiciens de Pharaon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi pris leur bâton, ils ont jeté. Donc, pour comprendre que certaines choses que Moïse avait faites, les magiciens aussi le faisaient. Donc vous voyez, maintenant, comment comparer que ça, c'est le bâton de Moïse? Voilà, c'est ça la question. Voilà pourquoi Moïse avait dit au Seigneur, quand le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que tu as en main? Il dit que voilà, j'ai le bâton, jette ça. Il a jeté, c'était le serpent. Et il a repris le bâton. Après, il lui dit, fais entrer ta main, n'est-ce pas, dans ton sein. Il ressort, il y avait la lèpre. Et il fait encore, la main est devenue normale. Il lui dit, n'est-ce pas, je crois qu'il y avait deux ou trois signes là-bas. Donc après, il lui dit que, voilà, si tu fais ces signes-là, ils croiront. Mais Moïse va lui demander son nom. Parce qu'il dit que, malgré que je vais faire, n'est-ce pas, ces signes, mais le peuple va me demander ton nom. Mm-hmm. Est-ce que vous comprenez? Okay. Or, en Apocalypse, la Bible dit que quand le Seigneur vient, il portait un nom que personne ne connaissait. Ce nom-là, c'est la parole de Dieu. Car la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, okay. La parole était Dieu. Voilà. Donc, c'est-à-dire, les miracles sans la parole, ce sont de faux miracles. Okay. N'est-ce pas? Les prophéties sans la parole, ce sont de fausses prophéties. Parce que tout doit être conforme. Parce que la vraie prophétie, c'est la parole. Vous allez comparer cette prophétie par rapport à quelle prophétie? Par rapport à la parole de Dieu. Okay. Est-ce que vous comprenez? Parce que cette parole a été conçue par des prophéties d'autres prophètes. Mais est-ce que seulement le miracle doit se faire de cette manière? Vous transformer en chèvre ou en quoi que ce soit? Je ne sais pas. Est-ce que la prière, le miracle peut se faire comme ça? Ça peut s'opérer de cette façon? Mais que le peuple soit comme le peuple de Béré, n'est-ce pas? Qu'il vérifie dans les Écritures si ces choses qu'ils vivent sont conformes aux Écritures. Et quel est l'objectif, n'est-ce pas, de cela? C'est là où je dis, écoutez-moi bien.
y avait une femme qui suivait Paul, n'est-ce pas? Et il disait tout le temps que non, ceux-ci ce sont des hommes de Dieu, ceux-ci ce sont des serviteurs de Dieu. Paul en avait assez. Cette femme était possédée d'un esprit de python. Elle voyait, elle devinait, elle disait des choses justes aussi, parce que Paul était un serviteur de Dieu. Mais l'esprit qui animait cette femme, c'était l'esprit de python. Paul a chassé ces démons. Est-ce que vous comprenez? Cette femme a-t-elle reçu la vie éternelle? Non. Voilà pourquoi vous allez comprendre quel est l'objectif du miracle dans ta vie. Parce que même le Seigneur, il a guéri des milliers de gens. Il avait combien de disciples? 70. À un certain moment, à la Pentecôte, ils se sont retrouvés combien? 120. Et nous, nous n'avons pas encore fait les miracles que le Seigneur a fait. Hein? Malgré que la Bible dit que ceux qui croiront feront. Parce que la Bible dit que si on allait écrire les miracles que le Seigneur avait fait, on allait remplir toute la terre. Mais après avoir fait tant de miracles, combien ont reçu la vie éternelle? Donc, pour savoir que si tu ne comprends pas le but du miracle dans ta vie, bon, alors aujourd'hui c'est un débat ici en République démocratique du Congo, je pense que c'est partout dans le monde, et que vous vous contredisez entre vos pasteurs, entre vos hommes de Dieu, je dois le dire, que une femme ne peut pas prêcher. Est-ce cela est dans la logique ou est-ce c'est vrai? Bon, le problème est que la parole n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Il faut se poser la question, qu'est-ce que Dieu a dit? Oui. Il faut se poser la question, qu'est-ce que Dieu a dit dans tout ça? Et on commence dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Okay. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu donna la loi, la femme n'y était pas. Okay? Okay. Et quand Dieu créa la femme, c'est Adam qui va informer Ève, enseigner Ève pour lui dire que voilà ce que Dieu a dit. On mangera tous les arbres, mais à l'exception, n'est-ce pas, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le serpent vient, le serpent ne va pas chez Adam. Pourquoi? Le serpent va chez Ève. Okay? Et là, lorsque le serpent va parler et que Ève va pouvoir parler, le Seigneur dit, parce que tu as écouté la voix de la femme, voilà pourquoi, n'est-ce pas, je vais te pouvoir réellement donner quelques prophéties sur toi. Ouais? Donc, dès le commencement, et quand Paul le dit, c'est au travers toujours la parole, il dit que la femme puisse écouter l'instruction en silence. Pour quelle raison? Il revient au commencement, car Adam fut créé le premier. Vous voyez? Première raison, Adam fut créé le premier. Okay. Deuxième raison, ce n'est pas Adam qui pécha, c'est Ève. Vous voyez? Donc, ça, ce sont les paroles. Maintenant, question. Parce qu'ils disent que voilà, l'esprit est répandu sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Ok, voilà. Nous sommes dans le monde de l'esprit. Les anges, les occidentaux disent qu'ils n'ont pas de sexe. Ok? Ok. Ce sont des esprits. Dieu est esprit. Ok? Quand Dieu veut parler à son peuple, il envoie les anges. N'est-ce pas? Ce sont des esprits. Ni homme, ni femme. Mais quand l'ange arrive à destination, il porte quel corps? Toujours le corps d'un homme. Ok. Voilà. Plus de débat. Parce que vous allez comprendre que. Mais vous savez, ici, on est en train de parler de ce qui est. De ce qui est abstrait, en fait, parce que l'on ne palpe pas, parce que beaucoup de personnes n'ont pas vu les anges, on doit les dire, c'est vous qui dites que l'ange porte le corps d'un homme. Mais bon, mais on ne le palpe pas. On doit dire que c'est spirituel, parce qu'à un certain moment, on ne sait pas, on ne voit pas de choses. Non, parce que nous sommes en train de pouvoir témoigner ce qui est dans la Bible, n'est-ce pas? Okay. Abraham a reçu les anges, n'est-ce pas? Ces anges ont mangé, n'est-ce pas? Donc, on a dit qu'il a vu trois hommes. Mais quand vous continuez, on va vous dire que les deux hommes qui sont allés à Sodome, c'était des anges. Et les gens de Sodome ont dit, donne-nous deux hommes-là, on va les connaître. Donc, eux, ils voyaient des hommes comme ça, palpables. Question maintenant, Dieu qui est esprit, quand il vient pour parler aux hommes, il porte toujours, les anges portent toujours, ange Gabriel, un homme. Michel-Ange, un homme. Alors, en conclusion, on doit dire que une femme ne peut pas prêcher, c'est ça?
D'accord, c'est ce que le Seigneur a dit. Ce n'est pas parce que les femmes sont moins intelligentes, mais c'est parce que nous vivons la parole de Dieu, nous sommes des lettres. Dieu lui-même, qui est esprit, quand il veut parler à son peuple, il porte toujours le corps d'un homme, parce que le corps d'un homme représente, n'est-ce pas, Dieu par rapport à la semence. C'est l'homme qui porte la semence, vous voyez, naturellement. Dieu, quand il veut communiquer la semence, c'est, en fait, même quand c'est sous la forme d'esprit, cela voudrait dire que c'est l'homme qui parle. Voilà, c'est ça, simplement. Ce n'est pas parce que les femmes... Il y a des femmes intelligentes. Je cite Angela Merkel, c'est une femme intelligente. Oui, une femme. Donc, ça n'a rien à voir avec le domaine de l'esprit. La Bible dit que vous êtes des lettres. Donc, nous devons réellement... comment vivre la parole de telle sorte que ceux qui lisent, nous lisent, puissent lire directement la parole. Alors, si vous êtes un pasteur de la diaspora, vous êtes mieux placé aujourd'hui, on est en train de dire que c'est donc le temps de la fin, parce que là, surtout là où vous vivez, aujourd'hui on est en train de bénir le mariage homosexuel. Est-ce que vous pensez que c'est la logique ou ce sont des signes de la fin? Bon, oui, ça fait partie des signes de la fin. Ce n'est pas seulement parce que les pasteurs bénissent. Hein. Ceux qui bénissent, déjà ils étaient dans le faux. Voilà pourquoi ils adoptent. Mais ce que nous voulons, c'est par rapport à l'État. Le Seigneur dit que ce qui arrivera est arrivé au temps de Noé, au temps de Lot. Et constater que le Seigneur voulait voir si le péché de Sodome était à son comble. Quand ils sont arrivés, quel est le péché qu'ils ont constaté? Ces deux hommes sont arrivés le soir, ils seront déjà reçus chez Lot. Donc ils n'ont pas eu le temps de pouvoir visiter la ville pour voir réellement quel était le péché, comment les gens vivaient. Mais les hommes sont venus à eux pour dire que depuis les jeunes jusqu'au vieillard, pour attester qu'ici, nous aimons l'homosexualité. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que aujourd'hui, même si moi je suis contre, mais l'État, parce que rendez à César ce qui est à César, l'État signe, vote des lois et autorise. Cela suppose que si je suis belge et que l'État belge a autorisé l'homosexualité, c'est supposé que tous les Belges reconnaissent que l'homosexualité est légale. Mais en tant que pasteur, voilà. Si ça verrait que vous puissiez bénir un mariage... Non, je ne peux pas bénir. D'abord, ce mariage n'est pas béni. Vous voyez? C'est Dieu qui bénit. Okay. Voilà. Nous bénissons ce que Dieu a béni. C'est lui qui bénira Abraham, sera béni. Nous bénissons ce que... Si Dieu n'a pas béni, tout ce que nous ferons là-bas, c'est du théâtre. Voilà, Dieu bénit sa parole. Dans sa parole, il a dit que l'homme ne peut pas coucher avec un homme. Bon, pourquoi? Hein? Pourquoi il le dit ainsi? Est-ce que vraiment il faut comprendre? C'est là où nous disons, nous ne prêchons pas seulement le matériel. Nous allons comprendre une chose que l'homme, lorsqu'il couche avec un homme, ça ne produit pas. Voyez? Donc voilà, mais lorsqu'il couche avec une femme, il y a le fruit, il y a la vie. Comprenez? Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque vous vous comportez en homme, parce que le véritable homme c'est Dieu, nous prions Dieu notre Père, vous allez comprendre qu'il ne peut pas venir vous donner sa semence. Se comporter en homme veut dire que tu as ta propre semence. Comme dire que voilà, la femme peut prêcher, c'est ta propre semence, tu te comportes en homme, Dieu ne peut pas communier avec toi. Voilà le vrai sens de cette écriture-là. Voyez, Dieu ne pourra pas communiquer avec des gens qui ont leur propre sémence, qui ont leur propre enseignement. Dieu n'est pas avec eux. Dieu est avec ceux qui ont débarrassé leur pensée, débarrassé leur propre raisonnement et qui reçoivent, c'est ça le comportement d'une femme. Parce que la femme reçoit la sémence. Alors aujourd'hui, on doit les dire que ce qui se passe dans le monde domine votre parole de Dieu, on doit les dire. Mais le monde a été donné. Le diable, quand il tente... Votre démarche, apparemment, ça n'aboutit pas à grand-chose. Parce que nous, on fait que dégrader du jour au lendemain. Mais c'est normal. C'est normal. Quand le diable a voulu tenter le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a montré tout le royaume de la terre. Il a dit que ça m'a été donné. Leur gloire m'a été donnée. C'est le diable, le Dieu de ces siècles. Voilà. Voilà pourquoi Dieu a un problème avec ses enfants pour pouvoir les préparer. Voilà. Si vous ne faites pas partie
des enfants de Dieu. Où est notre problème? Voilà. Donc, nous sommes une ville, n'est-ce pas? La lumière dans ce monde. Vous êtes la lumière du monde. Donc, le monde est dans les ténèbres. C'est tout à fait normal. Je ne peux pas aller faire une marche contre la légalisation de l'homosexualité. Mais plutôt votre parole devait se répentir parce que seulement aujourd'hui, on me dit, vous avez beaucoup d'infiltrés dans votre secteur et est-ce que les choses n'avancent plus, hein, on doit le dire. Ça fait qu'il est dégradé aujourd'hui ce qui concerne. Donc, le problème, vous voyez, parfois, c'est parce qu'il faut dire aussi que les hommes dédiés se sont donnés par exemple à l'occultisme et qu'ils comprennent, ils savent tu pourquoi continues cela. À appeler ces hommes hommes de Dieu, vous voyez, vous les encouragez. Un non, on les encourage pas parce mais que c'est comme ça, c'est un homme de Dieu. On vit avec, on doit le dire. On vit avec, et surtout ceux de la diaspora aussi, on doit le dire. Aujourd'hui, ils sont dans des pratiques, dans des magies blanches, on ne sait pas. Okay. Voilà. Donc, voilà pourquoi autant d'élites. Beaucoup d'hommes de Dieu sont allés adorer le Dieu de Baal. Élie croyait être seul. Il a dit, je suis resté seul. Mais Dieu a dit que je me suis réservé 7000 hommes. Voyez? Donc, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, Dieu se réserve toujours une postérité. Alors, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, donc, l'on constate les infiltrés dans notre secteur, en fait, et surtout beaucoup plus ce pasteur de la diaspora. Non, je disais ceci, le problème de la croyance, c'est-à-dire que parfois, nous voulons forcer les gens à être comme nous. Les choses de Dieu ne se forcent pas. Chacun est libre de pouvoir faire ce qu'il veut. Ok, bon, nous sommes libres, ceux qui se disent hommes de Dieu et qui pratiquent la magie. Nous avions donné l'écriture, c'est le Seigneur qui va les juger. Qu'avons-nous à juger ceux, parce que nous ne faisons pas partie d'une même communauté. Qu'avons-nous à juger ceux qui sont d'une autre communauté? C'est Dieu qui va les juger. Voilà pourquoi, dans ma communauté, si un homme de Dieu se comporte non conformément à la parole de Dieu, on vient, on l'exhorte. S'il refuse, on applique la parole sur lui. Voilà. Donc, mais je ne veux pas aller chercher d'une autre communauté puisse réellement vivre comme moi. Voilà. Donc, au temps même des apôtres, n'est-ce pas, il y avait des exorcistes. Vous voyez? Donc, mais qu'est-ce que Paul pouvait avoir avec lui? Il prêchait la parole de Dieu. Ceux qui croyaient à cette parole suivaient le Seigneur. Voilà. Donc, moi, je prêche la parole de Dieu avec tous nos bien-aimés de notre communauté, n'est-ce pas? Nous prêchons la parole de Dieu et nous venons dans le média pour pouvoir réellement faire propager cette manière de pouvoir croire la parole. Alors, à un certain moment, on parle donc d'incompatibilité par rapport à ce qu'on fait comme boulot, ce travail avec la parole de Dieu, bien évidemment, parce que j'ai rencontré un frère qui travaillait donc dans une société brassicole. Un pasteur, je veux dire, dans une société brassicole. Alors, je ne sais pas ce que ces frères-là et ce pasteur-là, je l'ai dit, est en train d'aller dans la bonne marche ou il perd le pédale. Ah, ça, c'est une bonne question. Mais les frères en Christ boivent du coca fabriqué par Bralima. Vous enrichissez Bralima pour financer Primus. Vous voyez? Donc, je ne vois pas, parce qu'on fait des sucrés, des boissons sucrées là-bas. Donc, quand ils travaillent là-bas, donc on comprend qu'il peut être peut-être dans le secteur du sucré. D'abord, je le dis pour apaiser d'abord. Là, c'est pour apaiser, voilà. Oui. Mais maintenant, je dis, si vraiment la logique... Quand il fait la promotion de boissons alcoolisées, et bien en ce moment-là... Non, ça dépendra du travail qu'il fait là-bas. Il ne fera pas la publicité Mais si c'est vous face à cette situation, vous dites, bon, voilà, vous serez dans le secteur où il faudra faire la promotion de boissons. Non, mais là, c'est là où la personne trouvera qu'il y a incompatibilité, n'est-ce pas, avec le travail qu'il est en train de pouvoir faire pour Dieu. Vous voyez, il y a ceci, que les gens comprennent, n'est-ce pas, que... En Israël, on élevait le porc. Or, le porc était un animal impur. Pourquoi on l'élevait? Ce qu'il élevait maintenant, c'est comme l'alcool. Vous voyez? Il y a des gens qui élèvent le porc. Quand le Seigneur a chassé les démons qui s'appelaient une légion, qui était une légion, ils sont allés dans le porc. Ce n'était pas en dehors d'Israël, c'était en Israël. Or, cet animal n'était pas mangé en Israël. Donc, il les élevait pour pouvoir vendre aux étrangers.
eux pouvaient manger le porc. Et la Bible dit aussi dans une loi que quand une viande est étouffée, tu le donnes à l'étranger. Voilà. Donc, s'ils travaillent là-bas, l'alcool, c'est pour les étrangers. C'est pour les donc, étrangers. C'est un peu ça. Mais à la place plutôt de chercher à convertir ces personnes qui consomment de l'alcool, mais plutôt vous dites que c'est pour les étrangers. C'est la raison pour laquelle le péché est en train de persister dans ce monde. On ne va pas convertir celui qui n'est pas destiné, n'est-ce pas, dans les choses de Dieu. Vous voyez? Donc, parce qu'il y a ceux-là qui Judas ne sont pas destinés. Judas était. La Bible dit il y a des vases d'honneur, des vases d'usage vil, certains pour la vie éternelle, d'autres pour la perdition. Donc voilà. Donc maintenant, Judas était avec le Seigneur. Le Seigneur ne se préoccupait pas pour le convertir parce qu'il savait que c'est le fils de la perdition. Donc vous allez comprendre que ça paraît un peu. C'est juste pour démontrer que. Comme je ne sais pas qui est fils de perdition, si je suis en contact avec un frère, homme qui boit de l'alcool, on peut partager là-dessus. Ouais, on peut partager là-dessus pour pouvoir lui montrer quelle est l'attitude des enfants de Dieu. Donc, le problème aujourd'hui, on veut interdire les gens, on veut. Ça, c'est faire rendre les gens hypocrites. C'est rendre les gens hypocrites. Voilà. Mais est-ce que c'est interdit aux hommes de Dieu de pouvoir consommer de l'alcool? Bon, ça sera encore un autre débat. Bon, à prime abord, aucun verset noir sur blanc écrit que non, vous ne boirez pas de l'alcool. Il n'y en a pas. N'est-ce pas? Mais pour ma part, je rends mon témoignage et je crois que la plupart d'entre nous dans notre communauté, nous avons compris, voilà pourquoi nous avions compris que ce n'est pas notre nature, n'est-ce pas? De boire de l'alcool pour le plaisir de la chair. Mais lorsque nous faisons la Sainte Cène, c'est là où nous prenons le vin, car le Seigneur avait dit que prenez ceci, n'est-ce pas, en mémoire de moi. Donc voilà, maintenant si on s'interdit, comment allons-nous faire la Sainte Cène? Alors du côté accoutrement aussi, hein, parce qu'il faut qu'on se les dise, hein, on ne va pas passer, on va pas finir sans parler de ça. Du côté accoutrement, est-ce qu'il y a des interdits à ce qui concerne donc la religion? Parce que j'ai reçu un pasteur qui m'a dit que c'était un problème de culture et que ça ne posait pas de problème parce que dans d'autres cieux, il y a de ces femmes qui prient Dieu en moitié nu, juste avec cache-sexe. Alors, je ne sais pas, vous, d'après vous, puisque vous êtes un pasteur de la diaspora. Donc, le problème, c'est de savoir ce que dit la parole du Seigneur. La parole du Seigneur dit que tu ne peux pas montrer ta nudité à quelqu'un d'autre. Donc, la nudité d'une femme appartient à son mari. Donc, mais question de culture aussi, en fait. Non, mais la Bible dit que personne ne puisse réellement faire de vous une proie par la philosophie en se basant sur les traditions des hommes et les rudiments du monde. Donc, nous nous basons sur Christ, pas sur les hommes. Voilà. Donc, on va comprendre que c'est Dieu lui-même qui habilla l'homme. Donc, c'est par rapport à ça, pas par rapport à la culture. Avant, l'homme était nu. Voilà pourquoi nous comprenons que certaines cultures, ils n'ont que le cache-sexe. Donc, c'est avant qu'ils ne se rendent compte qu'ils aient la connaissance du bien et du mal. Cette connaissance vient par la parole. Lorsque, par exemple, je pars là où les gens se promènent en cache-sexe, je ne vais pas commencer à leur dire que vous êtes dans le péché, non. Je leur prêche la parole. S'ils aiment la parole, la lumière viendra et ils pourront poser des questions. Et à ce moment-là, ils comprendront que non, c'est Dieu qui veut que nous puissions réellement nous couvrir. Donc, il faut abandonner leur culture. Donc, par rapport à l'accoutrement, c'est que la Bible dit que nous puissions porter, n'est-ce pas, des habits avec pudeur. Okay. Donc voilà, cacher la nudité parce que cela fait que qu'il y ait de l'impudicité. Donc voilà, les prostituées vendent leur corps, voilà pourquoi ils exposent leur corps. Quand vous vendez quelque chose, vous devez l'exposer. Donc nous comprenons que les femmes qui exposent leur corps, ce sont les vendeuses. Voilà. Ok, mais j'espère que je vais vous recevoir encore très prochainement parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire qu'on n'a pas pu dire à ce qui concerne donc par exemple la transfusion, à ce qui concerne donc ne pas manger le porc, à ce qui concerne, il y a beaucoup de choses au fait, hein, qu'on doit quand même vraiment essayer de décortiquer sur ce plateau. Je sais pas, on a déjà consommé nos 45 minutes. Alors très prochainement, on va encore revenir sur ces plateaux pour essayer encore
d'égayer la conviction de tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ces moments. Alors, pendant votre séjour à Kinshasa, je ne sais pas comment on fait pour vous atteindre, vos coordonnées, votre contact, et que surtout vous n'avez pas parlé de votre église, comment déjà elle s'intitulait, tout cela. Bah, je ne sais pas, beaucoup de personnes aimeront en savoir plus. Voilà, donc le souci c'était de plus présenter la parole, mais comme si vous vous intéressez à cette parole, comprenez que nous sommes réellement... notre communauté, généralement nous sommes identifiés comme les assemblées des saints. Donc voilà, c'est vraiment dans beaucoup de communes ici, n'est-ce pas? Mais je vais citer quelques-unes. L'assemblée des saints, ce sont ceux-là, le saint des derniers jours? Non, pas les saints des derniers jours. Bon, les assemblées des saints, c'est comme ça que j'avais dit que nous prêchons l'évangile de Christ, l'évangile éternel. Donc généralement les assemblées des saints avec évangile éternel, c'est plus facile de pouvoir reconnaître ça. Donc pourquoi on appelle ça évangile éternel? Parce que c'est quelque chose qui était, qui est et qui sera, ça ne passera pas. Donc, et puis ça n'a pas de frontières, cette prédication elle sera valable ici jusque dans les fins fonds d'Amazonie. Donc voilà, il y a une assemblée à l'avenue Université 83, n'est-ce pas? Commune de Limité, quartier agricole. Donc voilà, ceux qui sont de ce côté-là peuvent aller. Il y a encore une autre assemblée sur Kikwit, je ne sais pas si c'est Massine ou Kingasani, mais c'est l'avenue Kikwit. Donc ceux qui sont dans les parages peuvent se retrouver. Il y a encore une autre ici à Barumbu, avenue Maluku. Donc je ne sais pas si c'est 85 ou comment. Donc voilà, il y a aussi à Ngalima. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'assemblées maintenant. Donc, tout voilà. Okay. Voilà. Donc aux Pays-Bas, donc c'est dans la ville de Dordrecht, assemblée des saints de Dordrecht. Donc voilà, à Bruxelles, il y a l'assemblée des saints de Bruxelles qui est à Zaventem. Et à Liège, il y a l'assemblée des saints là-bas à Liège. Et en Allemagne, il y a l'assemblée des saints à Mönchengladbach. Ils vont rire lorsqu'ils verront parce que je prononce très mal ce mot. Donc vous allez comprendre qu'en Angleterre, à Londres, il y en a. Et à Manchester, il y en a. À Paris, donc, il y en a aussi. Donc, voilà. Alors, un numéro de contact peut-être? Bon, le numéro de contact ici, c'est 085 29 10 408. Bon, en Europe, c'est 0032 493 44 47 42. Voilà, ça, vous pouvez me rejoindre, je suis installé en Belgique. Alors, très ravi de vous recevoir sur ces plateaux, Pasteur Philippe Mukenge. Alors, on est vraiment ravis, j'espère que vous serez encore notre prochain invité, donc à la prochaine séance, à la prochaine émission. En tout cas, j'espère qu'on sera encore avec vous sur ces plateaux pour essayer encore de décortiquer par le plus à ce qui concerne donc cette très bonne parole de Dieu. Alors, un grand plaisir de vous recevoir et je tiens déjà à dire merci à tous ces téléspectateurs qui étaient donc branchés à suivre cette grande émission Notorious Version que votre qui passe chaque samedi à partir de 21h et dimanche déjà à 17h10 pour votre rediffusion et tâchez d'être toujours branché. La prochaine émission, ça sera toujours avec le pasteur Philippe Mukenge. Alors, bye bye, à plus.